capitaine Raymond, commandant le détachement des tirailleurs rapatriés. Commandant Auguste de la place de Dakar. Bienvenue, capitaine. Merci. Capitaine Raymond. La brousse. Commandant le camp de transit de Tiarol. Bienvenue, capitaine. Merci. Avez-vous fait bon voyage? Oui, oui, très bon. Quelle allure, vos tirailleurs. Oui. Dites-moi, la tenue n'est pas réglementaire. Heureusement que les Américains nous ont donné ces tenues, sinon nous serions en loc. Eh bien, nous verrons cela. Vous verrez le fourrier. Il vous donnera un casque pour vous protéger du soleil. Merci. Permettez-moi de vous présenter ma famille, mon oncle, ma tante et leur fille. Comment dit-on bonjour en Diola? Ah, Kasumai. Kasumai. Bien, je... Panosa Isakeni, à la Kugoba. Yo. Yo. C'est dans ces baraquements que vous allez les loger?
Oh, c'est tout de même mieux que dans leur village. Et puis ils sont ici pour quelques jours, bientôt ils rentreront chez eux. Bah, j'espère qu'ils s'éterniseront pas ici, hein. Vous savez, la France leur doit beaucoup, capitaine. De toute façon, c'est un camp de transit. Et je vous promets qu'ils regagneront rapidement leur village. Bien. Lieutenant Pierre, voici les effectifs. Vous verrez avec le sergent-chef Diatta qui conduit le détachement pour la répartition des logements. Nous les attendons d'un instant à l'autre, ils sont en route. Bien, mon capitaine. Deuxième peloton, marquez le pas, marche. Un, deux, un, deux. Peloton. Halte. À gauche. Gauche. Repos. Gardez-vous. Repos. Donnez, prenez-moi. Soldats, nous n'y a qu'un des. Détachement des tirailleurs rapatriés. Effectif complet. Sergent-chef Diatta, à vos ordres, mon capitaine. À mon commandement. Repos. Garde à vous! Détachement de tirailleurs rapatriés. Effectif complet, à vos ordres, mon commandant. À mon commandement. Repos. Capitaine, l'état-major a demandé que vous disiez quelques mots à nos hommes. Bien, mon commandant. Brave tirailleur! Vous faites honneur à toute la coloniale. Nous sommes fiers de vous. Le général commandant le point d'appui de Dakar vous salue et vous envoie ses encouragements. Vous vous êtes montré digne de la renommée de vos pères en 14-18. C'est grâce à votre courage et à votre dévouement à la cause de la mère patrie que notre cher pays, trahi, meurtri, ensanglanté, renaît de ses cendres. C'est grâce au sacrifice de tous ses enfants, blancs ou noirs, que la France reste debout. Nous sommes heureux de vous retrouver sur la terre africaine, sains et saufs. Bientôt, vous retournerez dans vos villages. Vous êtes ici dans un camp de transit pour un temps provisoire. Le lieutenant Pierre sera responsable du camp jusqu'à votre départ. Sergent-chef, vous verrez avec le lieutenant pour la répartition de vos logements. Garde à vous! Lieutenant, à votre disposition. À mon commandement, repos! Bien, je viendrai vous voir ces jours-ci. Merci, mon capitaine. Au revoir. Sergent-chef Diatta, que les hommes reconnaissent leurs bagages et se tiennent prêts pour leur installation. Bien, mon lieutenant. Caporal-chef Diatta, par chance, sergent-chef. Que les hommes reconnaissent leurs bagages et qu'ils se tiennent prêts pour l'installation. Bien, chef. À vos ordres, mon lieutenant. Parfait. Suivez-moi, chef. Mais dites-moi, sergent-chef, vous avez fait des études, n'est-ce pas? Oui, mon lieutenant. Je compte d'ailleurs les poursuivre après la guerre. Attention à mon commandement! Garde à vous! Bon! Bon! Colonne numéro 1. Prenez vos bagages. Colonne numéro 2. Dépêchons. Pas de semaine. Discipliné. Chacun d'ailleurs son quelqu'un. Eh, tous les armes, venez par là, venez. Eh, au sens
67 Diata, il y en a pas 15 pour toi. Viens, faites les mettre à l'intérieur. Comment, vous avez deux paquetages, caporal chef? Paquetas là, c'est pour pays là. Bien. An sera farafinna, an ka so. Ici, pas camp sous concentration. Pays Bougainval, fini. Oh, pays. Guerra foutu lui. Rien dans la tête, comme coco cassé. Ici, terre Afrique, terre so. Bientôt, toi, moi, partirai, mais son papa, maman, dans Wilas, nous. C'est lui là. Croit que prisonnier dans camp concentration allemand. Viens, sinon il va faire guerre contre toi. Nous partis ailleurs. Lui perdit la tête complètement. Moi, monter bicyclette, moi donner ta cola. D'accord. Hein? D'accord. Donner ta cola, hein? Combien cola? Ah, des cola? Des cola. Un cola aujourd'hui, si tu es bien, un cola demain. D'accord. Mais il faut que toi bien me montrer. Hein. Moi? Hein. Moi, Congo? Ouais. Moi, je veux depuis Allemagne. Ah, donc tu as ma bicyclette ici. Moi, bon moniteur, moi. Comment je vais monter? Des plaisants. Il ne faut pas que tu tomber. Doucement. Oui. Bien. Montez bien. Je réussis. Bien. Regardez devant. Voilà. Doucement.
Ah, Sarsasef. Bonjour. Bonjour, Sarsasef. Voilà café, Sarsa. Ça, sucre pour moi. Acété marcé noir. Ça ira. Vous ne remuez pas? Ah, tout de suite, ça, ça, ça. Merci. Nous préparer repas pour grands combattants. Très bien. Merci, Sarsasef. Salut. Au revoir, Sarsasef. Mais nous, il y a Arzan français. Ah oui, nous, il y a Arzan français. Ah, oui. Pas de problème. Ah. Tu as donné Arzan français, lui donner ma sandise avec petit quelque chose. Ah, toi, moi, je connais Marseille noir Sénégal. Moi, je connais grand Marseille avec Marseille noir. Mmh. Moi, c'est d'accord. D'accord, nous, c'est allé. Parti. Nous, c'est parti. Hein. Nei badé ñamo ma añi la ñé ko damar ko fegi na batay ko gaba ko gaba ñamo kama matéwa 41 42 43 ña simita si gaba nté walo fe simiti fegi ñé na mo parla ti mandé si mo e pote le yeray la porta lei asé kom korañolom oui gamo assez qui va à Nore. Assez qui va à Nore. Aou, à Bibulu. Aou, fin. Oui, Boulou, tu me fais un peu. Car ça, quand on a mis un peu, on a mis un peu. Tu me fais un peu. Quand on a mis un peu, on a mis un peu. On a mis un peu. Mangez là, pas bon. Nous pas costum. Ça s'est fait ici même. Eh chef! C'est quoi même? Ça c'est mazi de quoi? Ça c'est ordinaire tirailleur. Tu connais? Tu connais Cartophone? Eric Tabaga? Ça mazi d'un camp prisonnier allemand. Cartophone même mieux que ça. Moi simple chef cuisinier. Moi pas intendant. Préparez ce qu'est donné moi. Toi croire que ici camp prisonnier, ici pas camp prisonnier aliment. Vous là pas contentement monté voir ma lieutenant. Ma lieutenant. Tu connaisseras nous. Tu connaisseras. Tant pis. Merde. Moi chef cuisinier, très sans de service.
d'aucun coup. Tu donnais cochon. Même cochon refusait manser. Moi, simple chef cuisinier. Moi, pas prétendant. Préparez ce qu'est donné moi. Vous là, pas contentement, montez voir général. Pas de fassement, pas de bagarrement. Bourdicon, pourquoi pas viande pour nous? Viande pour blanc, comme ça. Viande pour métis, comme ça. Viande pour originaire, comme ça. Ha, restez viande pour tirailleur. Un fois la semaine, toi droit viande petit morceau comme ça. Bourdicon, est-ce qu'il est guerre? Il y a balle comme ça pour blanc. Balle comme ça pour métissi. Balle comme ça pour originaire. Et petit balle comme ça pour combattant. Bourdicon! Tirailleur, appelez-moi ma lieutenant. Ma lieutenant! Bourdicon. Ma lieutenant! Ma lieutenant! Ma lieutenant! Caporal, qu'est-ce qui se passe ici? Ma lieutenant, moi connais pas. Moi donner mansé ordinaire. Sergent chef d'état. Sergent-chef, demandez-leur ce qu'ils veulent. Manger là, pas bon. Nous, compris, ça s'en sert. En tout cas, nous, moins pas manger ça. Viens manger ça, immédiatement cadavré. Causons manger ça, immédiatement cadavré. Toi, ça s'en sert, si tu moins manger ça, immédiatement cadavré. Si en haut, causons en haut, manger ça, il cadavré. C'est vérité, ma lieutenant. Bon, écoutez-moi bien. Vous ne voulez pas manger, ça m'est complètement égal. C'est la ration ordinaire des tirailleurs et vous n'en aurez pas plus. Caporal chef Diara, venez avec moi. Vous aussi, pays. Grogué, toi, venez avec moi, Guilas. Ici, payez-nous, nous trouvons manger là-bas. Venez. Oui, ils refusent de manger, mon capitaine. Ils prétendent que ce n'est pas bon pour eux. Qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Bon, écoutez, je n'interviens pas, j'attends votre arrivée. Entendu. Merci, mon capitaine. Merde. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Caporal chef, je vais en ville. Hein? Oui, chef. Très bien. Nous gradez quand? Bien. Ah. Manger là, pas bon. Ça c'est vérité même. Nous, pas cochon. Mais il refuse toujours la nourriture, mon capitaine. Ne veulent-ils pas manger? Ma capitaine, c'est ordinaire riz patate haricot, moi préparé. Il n'y a pas de viande? Ma capitaine, moi pas reçu viande intendance. C'est l'ordinaire des tirailleurs. C'est infect, immangeable. Vous permettez, capitaine? Les tirailleurs n'ont droit à la viande qu'une fois par semaine. Vous savez, chez eux, ils ne mangent que du riz ou du mil. Ce n'est pas une raison, ces hommes reviennent de guerre. Je crois qu'on pourrait avoir plus d'égards vis-à-vis d'eux. Qui écoute de la grande musique? C'est le sergent-chef Diata, un mélomane. Un tirailleur qui écoute de la grande musique. On aura tout vu.
respect, mon capitaine. Eh bien, sergent-chef, la grande musique vous parle à présent, ce n'est plus le tam-tam. Vous alliez sortir, Aloïse. Je vais en ville, mon capitaine. Vous ne verrez pas d'inconvénient, capitaine Labrousse, à ce que nous l'emmenions avec nous? Non, bien sûr. À propos, est-ce que vous auriez un livre à me prêter? Oui, bien sûr. Que désirez-vous? Roger Vaillant? Jules Romain? Ah, tenez. Roger Martin Dugard? Ah, tenez, j'ai le silence de la mer de Vercors. Très beau livre, très patriotique. Le voilà, votre livre. Vous me permettrez de le prêter au capitaine Labrousse une fois que je l'aurai fini? Oui, si le capitaine Labrousse le désire. Partons. Tiens, ils ont trouvé de la viande. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Toi, viens, on va tuer mouton. Non, moi musulman, tu n'as pas tué mouton. Marabout, lui, il a tué. Comme ça, tout le monde gagne manger. Marabout, tu vas venir là-bas tuer mouton pour nous. Bismillah. Malu yo bungon cinema jox la tout damay taba taba yow gis nga li ma deug deew eh jo come on jo come on you want dora please dora jo have you been parker no parker no shingam jo you want small girl very nice okay jo Bordel, qui donc? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? C'est un soldat américain, il veut savoir où est le bordel. Ah oui, le cocardi. What? Le cocardi. Cocardi? Woman? Mm-hmm. Ok, thank you. De ces beaux jours, une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets tous les mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêve.